moi, Michel. Va vous expliquer ce que c'est que la 3D et tout ce qui tourne autour de vouloir ou bien faire savoir. Si, il y a des films où vous avez montré il y a deux caméras vraiment séparées, ouais. Genre jusqu'à 30 cm, voire plus, je ne sais pas. Mais ça, parce que c'est plus que les 6,5 cm de l'œil, ça ne va pas faire un décalage par rapport à la réalité. La réalité, donc si on a filmé des montagnes, on verra la montagne de derrière, bien derrière la montagne de devant, parce qu'on les a filmées avec des caméras très séparées, et on aura un peu l'impression d'être un géant en train de filmer un petit tour. C'est une manière de sortir les films qu'on appelle le side-by-side, c'est-à-dire en mettant l'image de gauche à gauche et l'image de droite à droite. Alors je passe en 3D et je passe en 3D side-by-side. J'enlève le menu. Lorsque on va filmer, on vous montrera quand même comment on règle les caméras, mais on ne va pas vous laisser faire tout seul, hein, vous vous en doutez un peu. Pour avoir de beaux panoramiques, ne vous tracassez pas. On a des pieds avec des têtes fluides, en particulier. Hein. Bon, on fait attention au matériel. Ah, Margot, en forme? Nicolas aussi? Silence. Action, tu attends deux secondes. Moteur. Action. Mais non, il faut que je sois dans le champ aussi. Il faut que je la voie aussi. Mais oui, mais il fait clap et puis il bougera. Ah, le bruit, le clap, c'est dans le. C'est le clap du. Oui, oui. Bon, ah, important, tu l'enlèves. Ah, c'est hein. Moi qui dis action. Pas trop près quand même le clap. Mais le juste. Tu peux même te mettre à côté de toi. Ne lui pince pas l'oreille. Tu peux même te mettre. Vous comprenez un peu ce que je veux faire? Mais tu vas les comprendre mieux ou pas? Oui, mais tu l'as dit à eux, mais pas à moi. Mais vous pas. Et alors, en plus, je crois que tu me demandes d'ici. Mais non, mais vous, vous faites bien. Vous, on parle le prof. Alors, les enfants. Si je dois suivre des enfants, et que je dois la suivre par là, puisque je vois la lampe là. Ah, oui. Donc, soit qu'ils vont se mettre beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Le spectateur est désemparé par le changement de plan et il s'est dit, ah, le temps est passé. Sinon, on peut rester là avec la caméra pendant 5 minutes. Moi, je sais pas. Combien de temps l'expérience? Ah, ça dépend. Hein. Il fait un peu sec, donc ça met du temps. On va faire un petit peu vaporiser les cheveux, je ne sais pas. Mais ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, voilà. J'ai pas... on coupera. Oui, on va le faire couper. On coupe quoi les cheveux? On coupe les cheveux. Ça m'arrange moins. J'ai mon temps quand vous n'ayez pas trop de réactions des jeunes. Parce qu'on peut les remettre au-dessus. Oh, ben non, il faut les voir. Hein. Oui, mais j'ai. Mais justement, Nicolas, le trésor, c'est la science. Mmh. Attends. Yeah. Comme tu dis, mais justement. Quoi? Non, non. Je ne te vois pas là. Je suis rassuré. Où est-ce que c'est que vous allez couper de filmer, Benoît? Ok. C'est bon pour ça. Oui, oui, moi. Action! On enregistre. Moteur, action. On recommence.
pas naturel, Nicole. Non. Geste. Geste, quand je dis action, tu fais quoi? Regarde. Ben, montre-moi ce que tu fais. D'accord, ok. Quand je dis action, on fait sur le bouton rouge. Non. Non, il était très bien avant. Sûr? Oui, je suis sûr. Anès, cela met ici. C'est d'accord, on m'a mis son visage. Ouais. Regarde. Enfin, tu regardes, oui, tu regardes là, mais... Laissez un peu l'éclairage pour montrer la bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tout ça sera filmé. Et puis alors après, vous allez la filmer. Hein, d'accord? Tu vois le singe, tu lui fais un petit face-à-face comme ça, je sais pas quoi, un truc du genre. Et toi Marco, tu le regardes et tu dis, voilà, tu lui ressembles un peu de la même famille. Quelque chose comme ça. Et tu dis, donnez-moi une banane. On a 20 minutes pour partir. Ça c'est pas bien. Allez, on recommence. D'accord, il y a deux choses qui se passent. La vraie scène, c'est fait, et en même temps, on vous filme en train de faire la vraie scène. D'accord? Ok? Et toi, Claude, tu t'en vas. Parce que la vraie scène fera partie du film. De moi. Parce que la vraie scène fera partie du film. Mais alors, on fera un bon pas à la suite. T'es sûr que c'est pas ton frère? Allez, on recommence vite. Mais moi, je sais. C'était très bien, mais c'est trop statique. C'est plus rapide, pas trop statique. C'est vraiment. Tu le vois, faire le singe, directement, ça vient. C'est ça, mais pas une scène qui n'est pas statique.